Nous sommes de retour. Du coup, l'update du chat, c'est pas updaté ou je sais pas quoi, ça me casse les couilles. C'est un nouveau monde qui s'offre à nous. C'est le retour d'Elden Ring. Et le setup a complètement disparu. N'ayez pas peur. Tout ça est parfaitement maîtrisé, bien sûr. Nous sommes des professionnels. Voilà. J'aurais plus qu'à compter les morts. Mange tes morts. Mon message a été applaudi. Ben voyez, c'est tout simplement ce qu'il fallait faire. Allez, let's go. Ça enregistre, on est bien, c'est pas grave. Ça va être faire un petit montage pour la VOD. Putain, mais c'est vraiment catastrophique, quoi. On a perdu 2 heures de live. Putain. Mais pourquoi ça bug? Je comprends pas. Oh putain. Ultimate casse-couille 8. Le retour. Toi, t'es qui, toi? D'où j'étais pas venu là? Tu veux t'en jouer là, tu veux t'en jouer, tu veux t'en jouer, tu veux qu'on s'en joue? Calmos au thermos. Faut absolument que je récupère mes putains d'âmes. Oh là là. Et si le stream rebug, ma parole, je repasse à OBS parce que Streamlabs, je vous emmerde, Streamlabs. Si un jour on fait un partenariat, ne ressortez pas cette vidéo, mais Streamlabs, vous êtes des connards. Votre truc ne marche pas. Alors imagine si j'avais payé. Est-ce que si j'avais payé, ça marcherait, Streamlabs? Allô? Streamlabs? Vous pouvez me répondre, MP, s'il vous plaît? Là, c'est pareil, là, je vais me prendre un piège qui n'a jamais été vu auparavant. Oh, pitié, pas la jarre. Ok, pas la jarre. Ne pas tomber. Toi déjà. Prendre aucun risque. J'ai failli, hein. Allez, hop. C'est parti. Elle va lâcher. C'est là que je suis mort. Oh putain. Faut pas sauter en fait. Tout simplement. Soyons forts. Oh, j'ai pas vu Papa Gâteau! Oh putain, l'enculé! Tourbilol. Ça fout quand même un sacré coup le bâtard. En fait, je pense que mon build est pas mal, mais il faut que je le réapprenne. Il faut que je le remaîtrise. Parce que là, c'est pitoyable. What the fuck? Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était sûr en fait, c'était sûr, 99 131 dames! Oh non, faut pas que je redescende là. Jésus-Marie-Joseph. Putain.
sur les geôles de Bellurate, mais... Il touche de n'importe où sur Terre. Et ça, c'est beau. Je vais m'endormir avec 176 de tension artérielle. Tant pis. Ah non, mais c'est loin. Oh putain. Putain de jeu de putain de ta race. Tu me touches pas, toi. Tu suces ta race et tu vas enculer ta mère. You motherfuck. Faut que j'arrête d'insulter comme ça. En plus, c'est même pas des super trucs. Ne bouge pas! Oh! Oh! Le refais pas! Oh putain de merde. Ce qui vient de se passer? Ce qui vient de se passer? Pourquoi il y a encore installez-vous, ça arrive là? Putain, mais c'est ridicule. Ridicule ce stream. Attendez, attendez, attends, attends. Oh, il y en a partout. Il m'a chopé! Lâche-moi. Oh putain. Oh putain. Voilà. Tiens, regarde, t'as mal au dos. Pardon. C'est bon, c'est arrivé. Y a pas besoin, voilà, dégage. Un des streams les plus laborieux que j'ai fait au monde. Au monde. Pourquoi y a plus la fenêtre? Attends, je suis pas remords. Ça, on est à 32 là. Bon, écoute, tu auras une mort en plus, hein, tant pis, si jamais c'est pas ça. Allez, let's go. Je suis pas bien. Bon, il va se passer des choses. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, vision de dragon. Pas mal. C'était une référence à Dark Souls. Lui, je sens mal. Ils sont inarrêtables, mais c'est pas logique, c'est nul. Il est nul ce mob là. Attendez, des fois il y a des vibrations bizarres dans ma manette là. Je crois qu'il y a un moteur qui est de la des vibrations qui a pété. Non mais je suis trop loin là. Non putain celui-là en plus. Oh. Le jeu était chiant comme ça avant là, Elden Ring. Ou est-ce que c'est moi là qui grandis quoi? Putain, je me rappelais pas que c'était aussi casse-couille là. Pour le coup, ça rappelle vraiment Dark Souls. Ce qui est peut-être pas plus mal. Ou est-ce qu'on n'est pas un peu trop vieux en tant que joueur, en tant que. Tu vois, un peu trop mature en tant que communauté de joueurs, hein? Je sais pas. Peut-être. Peut-être des gens aiment. Peut-être des gens là sont contents, tu vois. Ah, pour l'instant, mitigé le DLC là. Instant, j'ai rien vu qui me transcende le cul. Oh, et puis cette zone-là.
Je pense que tu mets une zone comme ça. Elle est développeur. Oh putain, j'ai refait crever. Si vous mettez une zone comme ça, faites-la mieux, s'il vous plaît. On est en 2024 quand même. Oh merde, c'était. C'était un vrai mec. Casse-toi! Fils de pute. J'ai même plus le temps de me faire chier en fait. Hein, il fait froid, non? Culé. Bâtard. Oh, la salope, la salope! T'entends, il va se passer des choses sales qui vont me déplaire. Par exemple. Faut avancer prudemment, mais j'ai pas un build fait pour la prudence. Ah! Oh non. Oh! Mais c'est tellement lent! Et vous avez bien vu, ça leur fait rien, ça les stun pas là! Oh non, 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 non. Je vais arrêter, c'est nul. C'est nul. Ah. En a 33. Ça va aller. Pas trois fois non plus quoi. Enfin pas quatre. J'aime pas ce build. Attends, le DLC a pas été fait pour là, tu le sens là, c'est relou. L'expérience devient casse-couille très vite quoi. M'avait saoulé, j'y peux rien. Ah ouais, il s'intéresse à passer des choses incroyables d'ici la fin de ce donjon parce que là. À cette déception sur 20 là. Oh putain. Ah. Ok, ça c'était marrant. 20 sur 20 le DLC, bravo. Ok, alors toi. Enculé, tu vas te faire.
Mais arrête, putain, le jeu là, tu te fous de ma gueule. Allez, couche-toi. Ah mais mon arme elle stun pas! Non, je vais pas taper, je vais pas taper, on va pas taper. Ne tape pas, ne tape pas. Ça sert à rien de taper des trucs. C'est un truc de blaireau. Le jeu est comme ça, le jeu est comme ça. Qu'est-ce que tu veux là? Voilà. Ça me bande, ça me bande quand même. Pas se mentir. Ça me bande grave les couilles. Attends, attends, attends. Est-ce qu'il avait au moins changé le l'intitulé là? Ouais, merci, ouais. Enculado. Je l'ai repoussé avec mes yep. Yep. Allez, allez, on se concentre. C'est pas grave. Le jeu est ce qui est. On va essayer de sortir très vite de cette grotte de merde. Surtout le jeu est ce qu'il est et moi je suis ce que je suis aussi, tu vois. C'est-à-dire que ce genre de truc, beaucoup de gens feraient. Bah ouais, bon, c'est pas grave, on reviendra plus tard. Déjà, dehors, je ne peux pas car il n'y aura pas de plus tard. J'ai littéralement. Trop de niveau. C'est-à-dire que pour monter, si tu veux, il va falloir faire plus qu'un donjon. Et de deux, mais putain. Je reviendrai jamais si je me casse, en fait. C'est ça le souci. C'est le speedrun. Non. Viens là, connasse de mouche. Oh.
Voilà, de toute façon, on s'en va les couilles, du coup. Allez, vas-y, c'est parti. Et voir. C'était un peu loin. Non, mais c'est le pire donjon, mais là, je prends pas le même plaisir, là. C'est... Y a pas de plaisir, là. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, là? Est-ce que c'est moi qui ai changé, peut-être? Ah, j'étais trop hypé là au début. Mais là, c'est redescendu grave. Là, je vois de moins en moins l'intérêt de jouer à cette merde. C'est pas forcément que je meurs, tu vois, parce qu'il pourrait y avoir une idole de Marika qui permet de ressusciter un peu plus près, c'est pareil quoi. C'est là, c'est ça, c'est inutile ça par exemple, tu vois. Je sais pas. Bizarre. Je vais voir c'est quoi les avis après sur internet un peu. Regarde ce piège de merde là, de comment je suis mort. Attends, c'est complètement débile, on est d'accord. Genre tout à l'heure je suis atterri là, c'était bon. Et là c'est genre 50 cm plus bas et c'est pas bon. C'est très décevant. Très très décevant. Ça m'a l'air bâclé en fait, tu vois. Là je sens le bâclage. Alors ils ont foutu quand même 2 ans pour le sortir. C'est un peu du foutage de gueule, je trouve. Ah non, ça a intérêt à être beaucoup mieux là. Énorme, ça a intérêt d'être énorme. Ce qui se passe parce que là. C'est très naze là. C'est vraiment, vraiment naze. Hein. Il faut y jouer pour le croire. Mais... Ok, cendre de guerre perdu. Ok. Passons pas par là, hein, parce qu'il y a l'autre vase abruti là. Ta gueule. C'est pareil. Voilà, là il y a votre vase à la con. Oui, bah oui, vas-y, passe, passe. Absolument, ouais. Ah, mais j'ai la première version et j'ai celui de. Putain, je connais même pas mon propre build! C'est ça, pour ça que ça chicanait là depuis tout à l'heure. Vérifions ça tout de suite. Ouh, il aime pas ça, hein. Ouais, non, non, non. Alors on est sur un 10. On est sur un 10 sur 20, excusez-moi, mais. De ce que j'ai vu, on peut monter à 14. J'ai pas encore vu un truc qui fasse un 16. Oh, loin. Loin, loin, loin. Le jeu de base, je mettrais 18. Ah, je mettrais 19. Attends quoi, c'est tout. Le jeu me saoule pas, le jeu. Donne-moi les trucs et puis ferme-la. Oh. Wow. Regardez, on voit le seau qui s'est brisé là-bas, ça moisit. Putain, ici aussi. Attends, tu vas pas me casser les couilles!
J'aurais pu récupérer mes âmes tranquillement là, 100 000, 100 000, le chevalier bouffon. C'est même pas le fait d'avoir perdu ses âmes en plus. J'en avais 100 000, c'était nul. C'est même pas un tiers de ce qu'il faut là. Non, non, c'est vraiment. Ouf. Wow! Putain, il m'a fait un peu peur. Putain, ça se trouve, c'est vraiment ici qu'ils font les jars. Un passage secret. Pas du tout. C'est incroyable. Et comment on y va là? Je suis sûr, c'est comme ça. Let's go. Grimpons partout. Ouais. Ah. Mais quoi? D'où il sort, lui? Allez, jette-toi sur moi. Ouais, vas-y. Fume ta race. Qui est devenu aigri, putain. Waouh, ouais, bah, toujours plus, ouais. À d'autres, à d'autres. Quoi, tu sais sauter en plus? Je crois pas. Pff, on s'en fout de ça. Donnez-moi des vrais objets là, qu'est-ce qu'il fait? Waouh, ouais, non mais arrête. Il est bugué là. Oh, je déteste quand tu te racontes comme ça là. Alors j'attends la fin du donjon là. J'ai joué moins de 2 heures? Non, je peux pas me faire rembourser, putain. Ah, oh, quel dommage. Encore? J'en ai à foutre. Bon, là, c'est là où il y avait le truc. Ah ouais, d'accord. J'ai fait tout le tour. Mais c'est vraiment pour n'avoir pris que ça en plus. Manuel de grand potentat. Bah écoute. On va essayer de pas trop faire de potentat. Hein. On attend le boss pour dire si ce jeu est vraiment de la merde ou pas. Ouais, depuis quand? Depuis quand? Pas la bonne, pas la bonne! C'est chaud, c'est tellement chaud. Ah là, ça les stun un peu ça. Pour l'instant, le jeu de base est bien mieux. Triste réalité, hein, j'aime bien l'impression. Ouais, toujours plus. Ouais. Oh non. Waouh.
Le hasard. Confusion droit devant. Bah oui, j'avoue, c'est quoi ça? Il se passe peut-être quelque chose au niveau du donjon. Putain, où est-ce que ça mène ces conneries, quoi? Oh non. Non mais ces ennemis-là, ils me saoulent particulièrement. Mais casse-toi! Waouh, une grande jarre. Waouh. C'est vraiment super. Salut. Eh oui, c'est con. Explosion. Cette blague. Grand jarre qui, une fois retourné, repose confortablement sur la tête de son porteur. Augmente la puissance des pots à lancer, peu importe leur taille. Il s'agit. Ils dédient leurs prières aux entrailles des grandes jarres. Il faut que le truc, bizarrement. Tu vois, ça cache exactement là où je lis. Tu vois. Pour un jour renaître sous la forme de saint. Il s'agit là du cycle de la mort et de la renaissance placé entre les mains d'hommes mortels. Bah oui, c'est un monde où on ne peut mourir, hein, il faut se le rappeler. C'est quand même très très bizarre. Bras droit devant. Quoi? C'est une feinte? Je ne sais pas quoi penser. C'est forcément la suite, ça ne peut pas s'arrêter là. Genre là, c'est la grande jarre. Attends, attends, avant toute chose. Grande jarre et jarre. Jarre retournée qui s'adapte parfaitement à votre tête. Confectionnée avec fierté par Alexander, le poing d'acier. Singulier, gage d'amitié d'une vive jarre, elle augmente la puissance des pots à lancer. Et donc ça, c'est pour augmenter la puissance des gros pots. Ah oui, d'accord. Ah là, c'est let me duoer. Let me soloer plus. C'est un certain style. Écoutez, on va changer d'équipement. Je me sens un peu squishy, quoi. On va se mettre à poil. Regardez-moi ce style. Comme on peut le voir, je n'ai plus les yeux. Enfin, j'ai les yeux du dragon, quoi. Ça, c'est normal. Mais je n'ai plus les yeux de la flamme exaltée, car je m'en suis guéri. Et oui! Je n'aurai donc pas la faim qui fait chier. Grand pot glacial. Ouais, on va se faire un gameplay, genre, hein, c'est promis. Hein. Meilleur temporairement la découverte d'objets. Ah ouais. Également être vendu à prix élevé. Vestige doré de la grâce à ceux qui sombrèrent dans le royaume des ombres. D'accord. Ah, c'est vraiment Dr. Jekyll, quoi. Et alors là, est-ce que c'est une vraie strat, ça, ou est-ce que c'est la baise? Ah, je crois que c'est une vraie strat. Non, 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 je crois que c'est la baise. Et là-bas, il y a peut-être la suite là-bas. Mais oui, en fait, c'est ça, telle est la vérité. Ok, on va trouver. Il n'y a pas de souci.
Attends. C'est bizarre quand même. Ça me dit un truc ici, mais je suis pas sûr. En tout cas, là-bas, il y a une jarre à prendre. Si je vais là, ça mène où? Ok, c'est bien là. Je suis mort combien? 33? Ouais, 33. J'actualiserai ça en temps voulu, hein, bien sûr. Génial. J'adore, moi perso, j'adore. Ah oui, donc en fait, on vient là, on se fait agresser, et du coup, on n'a pas le temps de voir qu'il y a un pot là-bas qui mène. Oh, tiens donc, serait-ce un boss? Je me demande. Ouais, d'accord, faut tout faire soi-même. Tout d'abord, bien joué, putain, merci. J'aurais dû l'applaudir parce que. Ah, mais en fait, c'est tout le monde qui est dégoûté de ce donjon, là, je crois. Ok, il n'y a pas que moi. Bon, alors ça veut dire que c'est bien. Non, je veux aimer ce message. Voilà, merci. Ah putain, c'est la fin là? Oh, ouais. Bon, si on me dit qu'il n'y a pas d'effigie et qu'on peut pas. Non, c'est pas vrai. Ah d'accord. Manque cruel de Haman, chercher maître, c'est les mecs qui ont vu un truc BDSM directement, quoi. Bah écoute, c'est pas grave. Alors, quel va être le boss? Là, c'est bon, je suis excité, je suis hype. Le jeu, c'est le meilleur jeu du monde. On va prendre la putréfaction d'Exiquest, quoi, quand même. C'est quoi ce truc? C'est Eleven. Un épéiste semi-humain, regardez comme il bouge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, il est possédé. Où tu vas prendre mon gars? Ah oui. Oh, ça l'a séché en plein air. Il me fait des coups, je sais même pas d'où ça vient, quoi. Vieux chibre. Vieux chibre semi-humain. Vas-y, fais un truc, toi, là-bas. Wouah! Il est malade. Moi, je suis gentil, moi. Je ne suis pas méchant. Voilà, ça c'est du vrai boss, ça. Épéiste semi-humain, Yosh. Déçu. Déception. Vision de déception. Vision de désespoir. C'était le first try, évidemment, pour Yosh. Hein. Grosse merde ambulante. Alors là, il va falloir évidemment changer ce compteur de mort. Hein. On en est à 33, c'est officiel. Savez quoi? On va toucher le moins possible à Streamlabs. Parce que sinon, il va encore me niquer mes plans. Et au fait, pire donjon ever. La DA était stylée, mais pire donjon sinon. Franchement, 4, je lui mets 4 sur 20. Sans souci, sans sourciller. Ok, donc là on a un petit marécage. C'est quoi ça là-bas? C'est un dragon. Oh, je le sens d'ici là, ça pue le dragon là. Un dragon des bois. Bonjour. Ouais, c'était sûr.
Par contre, je vais avoir de nouveaux sorts draconiques, donc en fait, meilleur jeu. Non, mauvaise potion. Waouh, il est stylé! Oh, je veux ça, moi, je veux ça, moi. Force à jouer fine. Ma balie, wesh. J'ai mérité, j'ai mérité. Je suis resté devant, j'ai mérité. Cette fois, j'ai mérité. Je n'ai pas démérité d'avoir mérité. Alors, comment te dire? C'est non. Attends, mais je suis à poil depuis tout à l'heure. J'ai battu le boss à poil. Mais quel malade mental. Je suis en fou. J'avais même pas remarqué, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre? On va se mettre une petite tête de loup. Avec. On va se mettre une petite capuche en tissu bleu. Ah, ça fait joli, ça fait rigolo, ça fait marrer les gosses à Halloween. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut se mettre? Oh, c'est la robe de l'autre pute. Robe de servante itinérante. Bonjour, je suis un PNJ. Et j'aime ça. Oh ouais, ça c'est cool ça. Arrête, putain, le jeu. La toche de noble sanglant. Si, ça c'est cool. Tout est cool. Médecin de guerre. Avec des beaux gants là, des beaux gants Longueuil. Voilà, avec un mulet, des jeans noirs, là. Beaux jeans noirs. Superbe, tout ce qu'il me fallait, regardez-moi ça. Ça n'a aucun sens, c'est magnifique. Maintenant tu vas me rendre mes âmes. Enfin mes runes, pardon. On va invoquer Gilberte, la voleuse. C'est chaud. Waouh! C'est pas ça de doigt. Oh! Oh! Il est fou! Il est fou! Mais tu sais que je vais réatterrir aussi à la geôle de mes couilles là. Mais attends, mais c'est pas possible d'être aussi débile. J'étais tout content, mais on va peut-être changer de build. Oh putain, je sais pas.
J'ai aucun. Mon style est complètement erratique. Le problème, c'est que je suis trop. Je suis trop. Pas intempestif, comment on dit, putain. Trop téméraire. Oh, le petit coup de salope! Ah mais t'es putréfié là normalement mon con. Là. Oh putain, j'ai cru qu'il attaquait l'autre, j'ai rien fait pour esquiver. Oh putain. Je suis con, j'ai un cheval. Bah tacle un peu quand même machine là, qu'est-ce que c'est fou. Mais pourquoi moi? J'ai toujours pas pris d'eau de feu, non mais. Oh. Oh bordel. Faut être sacrément con quoi. Allez, je me mets au fond de mon siège. C'est dingue, je viens de sortir d'un donjon insupportable et je me mets à essayer de traquer un dragon. Mais... Oh, et des fois, j'ai envie de me taper. J'ai envie de me taper. J'ai vraiment envie de me frapper. Pourquoi je fais ça? Pourquoi me lance-je dans des défis pareils? Ça n'a aucun sens. Pourquoi fait-on cela? Il est où le feu là? Ça va m'énerver sinon. Est-ce que c'est pas moins loin? Non, vas-y, c'est pas du tout moins loin. C'est moins loin dans la tête. Ça va être beaucoup plus sympa de sortir par là, tu vois. Salut! Allez, rien que pour la DA, ce jeu gagne direct 16. Il est à 16. Pour l'instant, par contre, et vos plaisirs de jour n'en est pas là. C'est parce que j'ai une mauvais build, ça devient une expérience désagréable alors que ça devrait être incroyable. Mais en même temps, non, parce que c'est un DLC, donc il faut que ce soit un peu challengeant, quoi. Mais le challenge parce que t'as un mauvais build et le challenge parce que le jeu est challengeant, c'est pas pareil. Tu vois. Il se repose beaucoup trop sur l'un des deux là pour l'instant. C'est ça qui est chiant. Bref. J'avais 111 000. Ouais, pas mal. Alors, regarde. Coucou. Tu veux voir ma bite? Sympa, ça lui a pas touché grand-chose. Allez, ferme ta gueule. Tu as le sida maintenant. T'as le sida, j'ai dit! Voilà, sauter vers l'avant et non vers l'arrière. Mais quoi là? C'est quoi ça? Attends, le mec il s'invente des pouvoirs là. Eh, tu vas faire quoi? Vas-y, fais. Tu connais Placide du Saxe? Ouais, pas oufax, Placide du Saxe. Arrête, arrête, arrête! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord. Tiens, boule de feu!
On n'a rien à foutre. Ça marche bien sur toi, hein, petit salaud. Là. Oh merde, oh merde! Ah, je cours après le feu. Allez, on lui remet un petit coup de putréfaction, là, ça va lui faire plaisir. Elle est où, machine? Ah, putain, t'es où, connasse? Pas moi, pas moi! Je t'ai rien fait, moi! Je suis pas ton ami, mais je t'ai rien fait, quoi. Oh oui, fais ça, fais ça. C'est trop loin. Quelle connerie. Non mais ça non, ça non. From Software, putain, mais vous faites des trucs bien là. Pourquoi vous le faites des flammes qui quand elles décollent du sol, elles vous touchent quand même. C'est nul, ça c'est de la merde. Arrêtez de faire ça. Putain, vous êtes les champions là. Ah mais les hitbox elles sont pétées, je suis désolé. Je suis désolé envers moi-même, mais elles sont nulles à chier. C'est nul à chier. Ça tu vois, ça c'est nul à chier, ça cache l'expérience de jeu ça. Putain, oh, je suis roulé vers l'arrière, j'ai prévu son souffle de merde là. D'où il me touche, putain, il faut que ce soit cohérent avec ces putains d'animations là, sinon c'est la dissonance cognitive. C'est comme buter 160 personnes avec Nathan Drake, là, alors qu'à la fin, dans une cinématique, il est là, non, je ne peux tuer personne. Putain. Oh, vous étiez des génies, là. Mais en fait, non. En fait, non, c'est là qu'on se fait baiser, tu vois. Ça n'a jamais été des génies comme ça, comme on le pense, tu vois. Le jeu, il est pas fair du tout, quoi. C'est pas hard but fair, non, 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 non. Ça, c'est une légende urbaine, ça. Ouais voilà, regarde. Putain, attends, je suis mort au moins 3 fois là. On en est à 36. Dieu bénisse l'Amérique. Dieu qui aille se faire foutre les Japonais. Alors vraiment, ils font des trucs trop stylés et puis ensuite ils font ça. Ça dégoûte quoi. Ils pourraient être. Enfin, ils sont obligés d'être number one. Non, c'est Rockstar les number one. Mais ils pourraient être number two quoi. Et ils sont number three. À cause de petits trucs déconnants comme ça. Regarde pareil, ce brouillard là. Ça gâche tout les gars là. Pourquoi du brouillard là? Y a pas d'eau. Enfin, y a de l'eau, mais putain, mais t'es pas de brouillard. Là. Regarde, ah, génial. Ah, il est magnifique ce jeu. C'est débile. C'est complètement débile. Puis il tourne très bien, vous avez pas besoin de faire ça, on est plus sur 64 là. Ah, regarde, ouais, c'est ici la petite ambiance dans le marécage. Waouh! Oh non, ouais, putain. Ça dégoûte, ça dégoûte. Là, le jeu redevenait bien là. Et là, on redescend, un grand katana. J'en ai rien à foutre, je suis pas Sephiroth. Il me donnait pas d'objet là. Oh putain, mauvais timing. Insupportable. Mais regarde pas, c'est pas moi que t'as touché là. Voilà, hop. Oh non, il va m'avoir. Arrête. Oh la manette en plus qui fait défaut. Je suis pas ton ami. Voilà, chope le super sida là. Il a même pas chopé quoi. C'est le message d'applaudissement qui m'a sauvé. Quoi. Tu vois, tu peux même pas avoir la strat de foncer vers lui parce que. Tu vois, l'hitbox speed. J'ai pas récupéré mes âmes.
Putain, c'est bâclé là, c'est trop bâclé le jeu. Putain, je suis dégoûté, 40 balles. J'ai joué plus de 3 heures. Ah ouais, non. Non, non. Oh non. Vraiment remonter ça là. N'achetez pas ce DLC. Putain, pour l'instant là, c'est waouh, abasourdi quoi. Alors, on va les couilles des âmes, enfin des runes. C'est pas me casser les couilles. Oh, yo, yo. Non, c'est bon. Comment je pourrais faire? Putain, faudrait qu'il y ait un viewer qui viennent me fier des larmes imitatrices, des larmes enfin pas des larmes imitatrices, mais des larmes larvaires là. Vous voulez pas faire ça sur le chat? Allez, venez, venez me donner des objets, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'en ai besoin. On en est à 38 morts. Génial, chez Swan Delattre.